tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Méfiez-vous des apparences. C'est trop clair. C'est trop clair. Quand je vois Camilla, elle danse avec Benoît, j'ai l'impression d'avoir la place du con. Je suis assis sur la banquette, là, avec un verre de citron à l'eau, là. Et voilà, je suis là, je pense. Je me dis, regarde, ta femme, elle est en train de danser avec Benoît, et toi, tu es assis. Déjà, là, les nerfs, voilà. Déjà que je n'ai pas passé une bonne journée, ça se rajoute. Ça, plus ça, voilà. Ce soir, c'est... Comme tu vois ton mari qui croque une pomme en fermant les yeux et limite en savourant la personne, je te dis mais c'est une blague. Alors que moi, quand je faisais ma danse avec Benoît, on était comme deux gamins de 12 ans qui tremblaient, dont les jambes tremblaient, à se regarder comme ça, tête de con. Mais de l'autre côté, c'est passionnel. Après, voilà, elle était dans la provocation, je l'ai vue. Mais voilà, quoi, ça m'a forcément déplu de regarder ça. Normal. Oh, t'inquiète. Assieds-toi. Ouais. Assieds-toi si tu veux 2 minutes. Bah, tu nous gris complètement donc. On reste ensemble. Tu nous gris tout là. N'en fais pas trop. Ça va. Assieds-toi. Oui. C'est le patron de la maison. Assieds-toi 1 minute. Hein? Assieds-toi 1 minute. Je vous laisse discuter tranquille. Là. Vas-y. Merci. Personnellement. Regarde, il marronne. J'hallucine parce que depuis un petit moment, on me disait que c'était moi qui mettais le secret en danger. Par rapport à Charlène et la stratégie que j'avais avec Barbara. Et là, pour le coup, je suis dégoûté, parce que là, j'ai l'impression que c'est clairement eux qui mettent la mission en danger. J'estime ne même pas avoir fait un quart de ce que j'ai pu voir ce soir. Ils ont même pas conscience du risque qu'ils ont pu prendre en faisant ça. Mais moi, là, ce soir, là où je vais lui rentrer dedans, Noé, c'est qu'à moi, je te fais ça. Il pète les plombs. Mais lui, ce soir, à aucun moment, il a freiné, il a collé contre. Ça, je non, parce que je le touche, ouais. Pour qu'on fait un truc, ouais. Pour ma mission. Ouais. Mais ce soir, quand elle s'est trop tard, toi, tu n'as pas hésité à quoi les autres. Charme de la vie. Arrête. Mais charme de la vie, allez, vas-y. Je ne fais plus. Oui, ça va. Allez, ça va. Vas-y, saute. On ferme pas les yeux et on respire. Saute. Comme sur la santé. Quoi? Je suis en train de bâtir, est-ce que tu comprends? Ça va, d'accord. J'ai pas été là sur la mort. D'accord. Tu me fais des crèmes pour ça. Ouais, ça va. Mais toi, tu t'es pas gêné. D'accord. Alors, tu as plus de choses à faire. Tu oses me dire ça? Complètement. Tu oses me dire ça? Complètement. Et tu sais très bien que j'ai raison. Tu oses me dire ça? Que moi, j'ai senti, j'ai dit. Oh ouais, j'ai tout vu, j'ai analysé, je bouillonnais.
pas de figure de parler comme ça. T'as pas de figure de parler comme ça. Aussi, il faut pas dire. Fatigué. De mieux en mieux. Maintenant, il casse tout. Je me casse. Tu rêves d'aventure, tu fais ce que tu veux, je me casse. Non, non, je te dis que. Moi, je pense que tu vas pas me tuer. Non, moi, je me casse. Je m'en bats les. Ouais, mais attends, je me casse. Je te rentre. Je te rentre. Je rentre sur Marseille. Je reprends ma vie. Je reprends ma vie de. Et je m'en bats les. T'as pas l'idée pour tout vite. Et après, tu vois la moi. Vas-y, fatigué. Je me dis que moi, je fais de danse. Je m'en bats les. Je me casse. Voilà, je rentre. Je me casse. Vas-y. Fatigué que tu es. Fais ce que tu veux. Voilà. Une crise de nerfs. Il est fou. Une crise de nerfs.